Coucou Coucou. Namour, tu es en train de jouer? Oui. Ah, ça c'est des mini chamallows parce qu'en fait il y a un petit feu. Voilà, pour faire griller les chamallows ou marshmallows, je sais plus comment est-ce qu'on dit. Bref, ils sont trop mignons ces petits jouets. Alors, nous on est tranquillou ici, comme vous l'aurez vu, Jessie a déjà sorti des jouets du banc, ce qui est complètement normal. Et papa est en train de se préparer pour aller se balader. Mais dis-moi, t'es pas censée être à l'école aujourd'hui, toi? C'est pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et non, la maîtresse, elle avait une formation. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, Jessie est restée à la maison. C'est pour ça qu'on va en profiter pour se balader parce qu'il fait un temps magnifique. Oh, je sais pas si vous vous rendrez compte à travers la caméra, mais là, derrière la baie vitrée, on crève de chaud. Oui, on va pouvoir mettre les lunettes. Et Jessie a même mis les nu-pieds parce qu'ils ont prévu 27 degrés cet Aussi après-midi. ça. Oui, tu les as mis toutes seules. Oui, nous on est prêtes, on attend que Sam soit prêt aussi pour partir. Et Doudou Bidou vient avec nous. Ah, c'est Doudou Bidou alors, il vient partout. Ça y est, Sam est prêt. Mais avant de partir, je voulais vous poser une question. J'y ai pensé ce matin très très tôt en fait. Du coup, ça tombe bien, tu vas pouvoir me donner ton avis. C'est concernant Halloween. Halloween. Oui, parce que les années précédentes. Salut! Les années précédentes, on a fait beaucoup de choses par rapport à Halloween. Oui. La déco, les vidéos, tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui s'était installé assez progressivement en France et qui était pas mal présent. Ouais. Mais j'ai comme la sensation que Que depuis quelque temps, c'est un ça peu se l'effet perd un peu. inverse. Ouais. Ouais. Que c'est un peu en train de repartir. Du coup, j'hésite beaucoup sur le contenu Halloween parce que je voudrais d'abord savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors moi, ça m'éclate. Perso, me dire que je vais mettre un C'est petit peu de rigolo, déco, le truc à bonbons, carrément. tout ça pour Jessie, j'ai très très envie de le faire. Je vais le faire d'ailleurs. Mmh. Mais je voulais savoir si vous, c'est quelque chose que vous faites encore en fait. Voilà. Si vous comptez fêter Halloween, peut-être faire des choses particulières parce que selon là où vous habitez, par exemple Paris, il y a le manoir, il y a des choses Ouais, il qui y a sont plein faites. d'animations. Est-ce que cette année ils vont le faire? Je pense que oui. A priori. Voilà. D'ailleurs, si vous savez s'il y a des choses dans le coin, hein, dans le 84 ou pas trop loin pour Halloween, on est preneur aussi. Mais voilà, je voulais avoir votre sentiment par rapport à cette fête qui est venue en France, je dirais, qui était pas mal présente et puis qui est un peu repartie. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Dites-moi ce que vous vous en pensez. Sur ce, on y va? On Oui, va on y balader? va? On va On prendre prend le Doudou doudou Bidou, bien doudou. Allez, on y sûr. va. Très important, Doudou Bidou. Allez, c'est parti. I've been just picking up, picking up, picking up, picking up, picking up. Et donc nous sommes venus à Grand Littoral parce que ça fait une éternité qu'on n'est pas allé chez Primark. Oui. Franchement, on y va quoi? Une à deux fois dans l'année, grand C'est max. ça. Mais pour les petits vêtements pour Jessie, les petits t-shirts pour aller à l'école qui craignent rien, pas cher et tout, on s'est dit que bah, c'était le moment d'aller faire un petit tour avant l'hiver, C'est ça. tout simplement. Donc c'est parti, on a trouvé des chaussettes. Oui, on n'a pas trouvé que des chaussettes. On vous montrera tout ça en rentrant à la maison. Mais c'est très important, les chaussettes. Oui, il faut aller manger aussi après. Regarde, papa, il a trouvé un pyjama mini. Je crois que c'est validé. Super. C'est qui ça? Vaiana. On a trouvé Vaiana, la peluche. Waouh. Ça y est, c'est bon, il y avait un monde de folie. On a fait la queue pendant plus d'une demi-heure. Plus d'une demi-heure. Mais c'est cool, on a trouvé des choses Ouais. hyper sympas. Voilà, donc là maintenant c'est l'heure de manger. J'ai faim. Moi aussi. Oui. Ça a l'air trop bon ce qu'on peut manger ici. Oh là là. Je voudrais tout goûter, monsieur. Frites de patates douces. Oh, il y a des frites de patates douces, c'est bon. Je valide déjà. On a envie de tout goûter. Ah, mais oui, C'est ça le grave. problème. Gyozi chicken. Même les takoyaki, ça a l'air trop bon. Il y a des burgers. Tu dois Ça aller a l'air sympa, ouais. hein, franchement. Faudra revenir, parce qu'on ne peut pas tout goûter en une fois, clairement. Ça va bientôt sonner, tu crois? Si ça sonne, ça va faire bzzz bzzz en même temps. Oui.
Allez, sonne Beeper, on a faim, on a faim. Sonne Beeper. Sonne Beeper. On a faim. On a faim. Beeper, papa. Il sonne pas? Non. Oh mince alors, c'est que c'est pas encore prêt. Ça y est, c'est prêt. Mais on y va. Ça va bien. Ça vibre. Wow. Ça a l'air bon tout ça. Ça a l'air très très bon, frites de patates douces. Elle me pique mes frites de patates douces. Mais comment c'est possible ça? Ah non. Bon ok, on partage. Ça a l'air sympa. Elle veut bien échanger. C'est cool. D'accord. Merci. Bon, bah c'est validé par Jessie aussi. Oui chérie. Comment il est? C'est bon? Oui. Oui, c'est très différent parce qu'il y a des crudités dedans. D'accord. Carottes et tout. Donc c'est très frais. C'est... Bah je vais goûter aussi, hein. Non. Si si. Et donc là on a. Les petites, c'est comme des petites raviolis en fait. Tu valides aussi? Très très bien. Avec les petites sauces et tout. Avec la sauce là. Très sympa. Ouais. Et j'ai hâte de goûter ton plat. Oui. Bon, on valide le plat. Et Jessie aussi. La sauce sur le riz est particulièrement sympa. Ouais. Très très bon goût. Voilà. C'est la méthode quand le bout de poulet il est un peu gros. C'est fait. C'est bon, tu te régales? Oui. Super. J'entendais une poupie qui chante. On est rentré. On a récupéré Jen en rentrant. Oui. Voilà. Et quand elle a su qu'on était allé chez Primark sans elle, c'était la déception, trahison. On t'a promis qu'on irait avec toi à l'occasion. D'accord? Là, c'était vraiment coucou, mon amour. Tu t'es mise à table. Mais... Tu vas regarder tout ce qu'on fait, surveiller tout ça, tout ça. Ok. Donc, ouais, c'était l'occasion voilà, pour reprendre quelques petites choses pour aller à l'école pour ta petite sœur. C'est pour ça. Du coup, comme très souvent, bah, je vais montrer à Jen ce qu'on a choisi pour Jessie. Parce que, bah, comme elle n'était pas avec nous, elle ne sait pas. Et, oui. Et elle adore les petites choses. Alors, attends. Commence par ton sac de ton côté à toi. Alors, donc, ici, nous avons un petit t-shirt. Ouais, je trouvais ça mignon avec les petites fleurs. Ça te plaît? Ça l'éclate, c'est bien. Un t-shirt, voilà, avec des petites fleurs. Alors, c'est principalement c'est pour mignon. Ça que je suis allée, c'est pour les t-shirts. Je me suis dit, là-bas, il y a toujours plein de petits t-shirts mignons. Et puis, effectivement, il y en avait pas mal, hein, pour le coup. Oh! Alors, Sam s'est occupé des jeans. Ouais. C'est vrai. En l'occurrence, c'est un jegging. Oui. Et... C'est le seul qui se règle pas à l'intérieur. C'est le seul que t'as pris, t'as pas regardé si là se règle pas à l'intérieur. Je l'ai pris pour la couleur et il se règle pas à l'intérieur. Parce que j'allais dire, il m'a montré tous les autres, il se règle à l'intérieur et pas celui-ci. Et celui-là, je l'ai attrapé après à côté du bleu. Faudra que j'essaye de bricoler quelque chose parce qu'à mon avis, ça va pas tenir. Ah ouais. Mais donc, pendant que moi je m'occupais des t-shirts, Sam s'occupait des jeans. On a fait un vrai travail d'équipe pour aller plus vite. Mais comme je vous l'ai dit, avec le monde qu'il y avait, il y avait un monde impressionnant. Bah, ça nous a fait gagner pas mal de temps, mine de rien. Donc, tu continues avec quoi? Un autre jean. Un autre jean, mais cette fois-ci qui se règle au niveau de la taille. Oui! Il se règle. Et un petit peu plus foncé, mais avec l'effet délavé comme ça, je trouvais ça mignon. Vraiment. Ouais. Alors, je vais continuer avec ça. Ouais. C'est un petit t-shirt avec... Qu'est-ce qu'il y a dessus? Des cœurs! Je vais le mettre tout de suite. Excellent. Un autre t-shirt. Alors, celui-ci, attends, je vais enlever l'étiquette pour qu'on voit mieux. Il est beau? Comment tu le trouves? Voilà, il y a écrit Happy. Be happy. Je le trouvais mignon comme tout. Ouais. Les couleurs douces et tout. C'est très joli. Alors, ça, c'était pour changer les couleurs. Je me suis dit, bah, un peu plus automne. Un peu bordeaux comme ça. Ouais. Avec écrit Love. C'est pour toi, chérie. Je crois qu'elle est contente. Je crois aussi. Ouais, Jessie, la dernière fois, elle m'a dit qu'elle voulait un t-shirt vert. Et il y a écrit beau. Made of Magic. Il est vert. Le t-shirt vert. Oui. Super. En ce moment, elle me demande d'apporter des vêtements verts.
Un jean. Un autre petit jean. C'est pour moi. Ça, pour le coup, c'est un jean. T'as l'air, c'est un jegging. Ouais, mais en fait, j'ai regardé l'élastique aussi. Ouais. Donc, ça va être nickel. Et réglable. Ouais, et réglable. T'as vérifié. Oh, c'est mignon. Oui, et celui-ci, il y a un cœur aussi. Avec des paillettes. Oui, je trouvais mignon. Normalement, il y en a encore quelques-uns. Oh, il y a des licornes. Oui, parce qu'elle aime aussi beaucoup les licornes. C'est Kiki. Oui. C'est ça. L'expression de Jen. Alors ça, rien à voir. Bah, qu'est-ce que ça fait là, ça? Non, mais c'est parce que quand même. Moi, j'ai une mettre sur ma tête. C'est pas un chapeau. C'est pas un chapeau ni un bonnet. Je vous ai quand même dit que moi, ne serait-ce que pour faire plaisir à Jessie et à Jen, qui adore ça aussi, j'avais quand même envie de faire des petites choses pour Halloween. Donc, je suis tombée là-dessus, j'ai pas pu résister. Elle va faire la petite citrouille. Mais ouais. C'est pour une petite citrouille. Interdit de lui piquer. Oh. Oh. Comment il est? Waouh. C'est tout doux, tout doux. Je vais lui faire plein de câlins. Elle va le garder comme doudou. C'est une veste. Oh ouais, on a trouvé que ce petit blouson, cette petite veste, c'était trop, trop chou. Il y a même les petites poches. Ah ouais. Oh, j'adore. Elle va être trop belle. C'est pas pour vous. Non, mais c'est bon, on a compris. Ça suffit. Il n'y a plus rien? Non. C'est bon? Alors, c'est moi qui vais continuer. Attends, ça c'est pour la fin. C'est moi qui vais continuer avec ce que j'ai de ce côté. Il rêve pas, hein, c'est un cadeau pour moi. Il parle de ce qu'il y a de ce côté-là. Des chaussettes. Regarde. Avec des petits nuages, avec des arcs-en-ciel. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Il y a plein de couleurs. Elles sont trop mignonnes. De ce côté-là, c'est mieux. Voilà. Violet, bleu, jaune, rose. Trop mignon. Très sympa. Trouvé. Normalement, il y en avait un autre paquet. Oui. Avec des petits pois. Pareil. Tout coloré. Mais cette fois-ci, c'est version petit pois. C'est trop beau. Voilà. J'aime trop. Ouais, parce que Primark pour les chaussettes, c'est trop cool aussi. Alors, à chaque fois que tu te retournes, tu me donnes des coups avec ta couette. Ça fait trois fois que je fais ça. Alors attends, je continue avec les petits vêtements parce qu'on a aussi trouvé une petite robe avec l'arc-en-ciel et les petits collants. Très très mignon. C'est chou. C'est kiki. C'est kiki. On est d'accord. Autre chose, alors ça, c'est ça. Je t'ai encore donné un coup. Non, ça va? Non, c'est bon. C'est Sam qui l'a J'adore. Et c'est vrai qu'on s'est dit qu'elle serait trop, trop canon avec la petite surchemise façon petit carreau, quoi. Gros carreau, le coup. Elle est belle. J'adore. Tu sais que je crois qu'ils faisaient les mêmes chez les plus grands. Parce que je sais pas si t'as fait attention dans la catégorie où on était pour Jessie, donc je crois que c'était jusque 11 ans, 8 ans, je sais plus. Et il y a l'autre catégorie de taille au-dessus et j'ai vu les mêmes articles chez les ados. Ouais. Exact, c'est ça. Donc je disais, il y a un truc chez Primark qu'on archi kiffe toutes les deux, c'est les pyjamas, oui. Et tu croyais qu'il y a un pyjama pour toi? Donc on a trouvé un petit pyjama pour Jessie. Alors là, j'enlève tout parce que... C'est mini. Oui, c'est mini. C'est mini. Oh là là. On a eu du mal à trouver sa taille parce que vraiment les modèles étaient hyper canons, mais du coup ils étaient partis comme des petits pains. Ouais. Il y en avait aussi un modèle Stitch pour tout petit comme ça, mais il n'y avait plus du tout sa taille. Donc peut-être qu'à l'occasion, si on y retourne, qui sait, avec toi, peut-être qu'on trouvera. Ah, presque. Presque, ouais. J'ai vu non, mais elle l'a fait un peu exprès. Je crois. Non, j'ai pas fait exprès. Ouais, d'accord. Okay, moi, je peux pas, ça bouge. Et sinon, on a trouvé ça. Oh, c'est trop beau. Ça tombe bien, c'est pour maman. Donc, le petit short en pilou avec Stevie. Oh, la déception! Tu sais qu'elle se dit: attends, les gars, j'ai envie de pleurer. Oh là là! Ouah, tu vas être trop belle, maman. Le haut, comme c'est ça. C'est pour toi, regarde la le bordel là, regarde. C'est pas drôle! Comment est-ce que tu pouvais penser que je prenais un truc Stitch pour moi et non pas pour toi? Je sais pas. Je suis trop fou. Donc voilà, en fait, faut savoir qu'à la base, il est super doux. À la base, je suis partie chercher des chaussettes pour moi, mais j'avais complètement zappé que ma pointure, c'est chez les enfants. J'ai eu la flemme. Moment magique pour moi, parce qu'elle revient devant moi, elle a plein de trucs dans les mains, et j'ai pas de chaussettes, mais regarde, qu'est-ce que t'en penses, j'ai trouvé ça. J'étais tombée sur le pyjama Pilou Pilou Stitch, voilà. C'est ça. Donc je suis revenue sans chaussettes, mais avec ça pour toi. Ça te fait plaisir? Oui.
Maintenant, tu peux ouvrir ce qui est pas pour toi. Pas pour toi, voilà. C'est pas pour toi, mais ça va super bien t'aller. Oh, c'est beau. C'est une chose assez soft un peu. Non, en fait, on s'est dit que pour le hip-hop, ouais, on allait faire un petit tour. On s'est dit, ouais, pour le hip-hop, ce sera sympa. Et. Oh, là, oui. Ah oui, on a pris deux extrêmes en fait. Hein. Oh, là, il est jaune et violet. Canon. En fait, c'est celui-ci qui nous a attiré l'œil en premier. Ouais. Et puis, du coup, on a pris l'autre un peu plus. Passe-partout. Voilà, voilà. C'est tout pour nos petits achats. Mais c'est déjà pas mal. Je pense que Jessie, là, au niveau jean, t-shirt, elle a le petit blouson. Faudra qu'on lui trouve une petite paire de chaussures aussi. Ouais. Et puis, bon, bah, on rajoutera quelques bricoles au fur et à mesure, bien entendu. Mais je suis contente. On a fait des belles trouvailles. Pas que pour Jessie, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est trop cool. Et sur ce, bah, je pense qu'on va arrêter le petit vlog du jour. Ouais. Parce que mine de rien, on a fait pas mal de choses. Oui. Et ce soir avec Sam, on sort. Donc on va aller se préparer tranquillou. Préparer Jessie aussi pour qu'elle soit prête à aller au dodo tout à l'heure. Oui. Donc sur ce, on vous laisse. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Tu veux dire au revoir? Viens, amour. Viens. Viens. Viens dire au revoir. T'envoies le bisou? Au revoir! Salut! Salut! Bon, viens le faire en personne, sinon à force on va croire que c'est tout toi! Je vais te manger! Salut, salut! Allez! Bisous à toi! Bisous! T'envoies les bisous? C'est le vlog qui ne finit jamais! Bon, ça va continuer comme ça un petit moment, je pense. Allez, bisous.